Bonjour, je me présente, je m'appelle Fanny Leger, je suis médiatrice culturelle au musée Bonnat et je vous présente mon petit coup de cœur de Pierre Bonnat. Donc il s'agit d'un tableau de 1893, Scène de famille. Elle a été tirée à 100 exemplaires et il s'agit de la première livraison de l'estampe originale, revue dirigée par André Marty. Alors en effet, les différentes gouaches et les différentes études préparatoires montrent à quel degré de perfection voulait parvenir l'artiste Pierre Bonnat. Il a réussi ici une des premières et caractéristiques estampes de l'album, à savoir une mère tenant son enfant. Regard sur mère et enfant. La maternité est l'un des thèmes qui a été le plus étudié en peinture. Alors que ce soit des vierges à l'enfant du Moyen Âge, au portrait officiel de famille bourgeoise, les liens entre mère et leur enfant ont toujours fasciné les peintres. Au XIXe siècle et au XXe siècle, la représentation de ce rapport unique suit évidemment les évolutions de la société, tout comme va grandir la place de l'enfant dans la société. L'intimité familiale devient alors un sujet de représentation. On va avoir les impressionnistes et les nabis qui découvrent la vraie vie. Ils représentent la vie telle qu'ils la voient, comme dirait Bonnat, peindre la vie. Si Bonnat n'eut pas d'enfant, l'artiste a toujours été très proche donc de la famille de sa sœur, notamment l'intermédiaire de ses neveux Terrasse, dont il observait les jeux chaque été au Grand Lens. Alors cette œuvre que l'on voit ici montre André qui présente son fils, Jean, qui est né donc le 6 mai 1892 à Pierre Bonnat. On va parler du japonisme avec ce tableau. Les nabis, ils osent couper, ils tendent à rendre l'instantané, comme un effet d'œil rapide. C'est au spectateur de prolonger le tableau. Il prolonge le tableau de sa partie manquante. Donc le tableau se trouve ainsi élargi, puisque sa bordure ne s'arrête plus. Et la reconstruction de l'image fragmentée peut alors se faire. Donc l'expérience est de regarder par l'objectif photographique, qui modifie bien évidemment leur vision. Donc la peinture nabis cadre la vie. Pierre Bonnat sait aussi que l'objet du premier plan attire le regard du spectateur. C'est un motif représenté intégralement. Donc ici, Pierre Bonnat taille brutalement le motif. Les visages perdent nez, front. Cette lithographie est ici fortement inspirée des estampes japonaises. Alors, comment découvre Bonnat le Japon? Effectivement, Thaddée Nathanson va dire à propos de ces estampes que Bonnat en avait la gourmandise en les contemplant. Bonnat s'aperçut effectivement qu'il était possible très tôt de traduire lumière, forme, caractère, rien qu'avec la couleur. Donc Bonnat est inspiré et attiré par ces estampes japonisantes. En tout cas, il pouvait se les procurer facilement dans les grands magasins. Il dit d'ailleurs, c'est là, dans les grands magasins, que je trouvais pour quelques sous des crépons, des papiers de riz froissés aux couleurs étonnantes. Alors effectivement, l'exagération des traits, l'importance donnée au bébé tout joufflu. Évidemment, hein, on pense à Victor Hugo. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de la famille applaudit. On sait que son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. On va parler maintenant effectivement donc du gros plan. Cette déformation, des coupes brutales, elles sont encore plus spectaculaires lorsque Pierre Bonnat travaille en gros plan. C'est ici cette manière de cadrer, très serré, de se rapprocher intimement du sujet. C'est une nouvelle façon de voir l'académisme qui lui garde une distance avec la scène. Ici, le nabi le plus japonard ose s'approcher au plus près jusqu'à produire des déformations de vision comme un grand angle photographique. Évidemment, le peintre, comme on le voit ici, ne peut pas faire tenir une mère et un enfant dans un format singulier qui est celui du kakemono. Alors il taille, il coupe, il fragmente. L'esprit ensuite complète l'image hors cadre, le hors champ. Donc les visages sont alors soumis à une disproportion qui sont dues à la proximité de l'artiste. Il en ressort évidemment une impression de rapprochement, de complicité, comme si tout l'espace était occupé par la peinture. La composition du fond monochrome vert suggère l'espace à elle seule. En effet, donc, ce fond se détache avec le quadrillage du vêtement d'André, mais aussi des aplats de couleurs. La tendresse du geste de la maman. L'emploi adroit d'ailleurs du blanc, du papier, pour la robe de l'enfant. Voilà ce qui étonne et voilà ce qui intéresse Pierre Bonnat. On a ce goût pour l'énigme, le secret.
suggérer et non dire, recommander Mallarmé. C'est cette technique qu'il utilise ici, où la composition tout en hauteur, très serrée comme une estampe japonaise, propose effectivement des nouvelles alliances entre le vert et le rouge. Alors on parlait de ce premier plan qui est étrange, hein, qui attire le regard évidemment dans cette scène familiale. On le voit bien que Pierre Bonnard se montre de profil, il est à peine esquissé. L'artiste, hein, va exiger du spectateur un petit temps de découverte, un temps de réflexion, qui crée alors la complicité et l'intimité à l'œuvre. C'est l'objet, c'est le rôle du premier plan. Il suggère celui qui regarde le spectateur, qui se trouve alors invité dans la scène. Les Japonais avaient l'habitude de ce signe au premier plan qui retient d'abord l'attention et qui insiste à dépasser, ensuite à rentrer dans l'image. Donc ici, Pierre Bonnard va faire comme les Japonais, hein, il tient un rôle, il surprend, il attire le regard et le lecteur ensuite le contourne pour découvrir le tableau. C'est une lithographie qui montre effectivement une frontalité avec des angles multiples. La photographie a encouragé Bonnard à oser, on pourrait dire. Il cherche à isoler des ensembles, hein, des morceaux. Il recentre le sujet, les visions sont nouvelles. La reconnaissance du caractère du plan remet en cause les règles du cadrage. Il libère la composition, on va dire libérée, délivrée de cette composition, hein, Pierre Bonnard, selon l'axe principal, celui qui lui permet de créer des images ordonnancées autrement. Donc après avoir fait des portraits d'en dessus, j'en ferai d'en dessous, assis tout près d'une figure et en la regardant d'en bas, dira Degas. Donc Pierre Bonnard illustre cette vision ici en déformant les visages, il dissimule le sujet et il reproduit cette vision du bas, comme si le spectateur avait levé la tête à hauteur d'enfant, le monde vu d'en bas, selon les mots d'Emmanuel Pernouf. Donc venez vous aussi percer les mystères de cette estampe au musée Bonnard, le Canet Côte d'Azur. Merci.